Welcome to the Point of No Return podcast, an exploration of strategy, leadership, technology, and entrepreneurship. Your host, Nectar, is the co founder and partner at the PNR, a strategy consulting firm based in Montreal. Hey everyone, and welcome to the Point of No Return podcast, a show where you interview presidents, CEOs, and industry leaders to better understand how they think about strategy. As a first point, I just wanted to say a big thank you to the, to, to the audience. I've been getting a lot of good feedback lately about the podcast, and I really appreciate it. It's been a labor of love, and up to 122 episodes so far. Uh, obviously, we're doing this as content for you know for for a consulting firm, but at the same time, it's been a great mechanism for me to just learn and meet a bunch of new people. Uh, so I just wanted to say a, a bit a nice a nice thank you to everyone that's been listening uh, over this time. And a special episode today where we spoke with Marine Thomas, editor in chief at Les Affaires. Uh, Marine is a rising star in, in Montreal in, in the media community. She's been working in writing since 2016 as editor in chief in, in multiple media organizations. Uh, she's really driven by uh, wanting to offer readers relevant, high quality content uh, across all different channels. She's also very active uh, in terms of her community support. Being on the directors of the module Women's Why. Uh, she's currently uh, on other boards as well. Be before, she was a editor in chief at Revue Gestion at Montreal. And she has a master's in culture and media management uh, from, uh, from Sciences Po in Paris. On the show, we spoke about. You know the change of ownership of les affaires when it got sold from Transcontinental. We spoke about the importance of diversifying revenue sources and the importance of high quality journalism, uh, putting the client at the center of this transformation that they're going through. And then we spoke a lot about the future of media and where it's headed. Uh, we can look at the, the interview in French, so a bit of a heads up. Uh, but it was a super interesting deep dive, and Marine was very generous with her time. She's leading, you know, the most. business publication in province leadership conversation. Donc, Marine, première question, euh, je voulais savoir, c'est comment tu t'es devenue intéressée dans les médias? Oui, alors les, les médias, c'est une longue histoire d'amour. C'est sûr que je suis intéressée depuis très jeune par l'information. Je suis entrée par là euh, par l'écriture. J'ai toujours euh, beaucoup aimé lire et beaucoup aimé écrire à l'adolescence. Et euh, donc, je me suis euh, assez naturellement dirigée vers le milieu euh, journalistique. Et euh, voilà, après, après mes études, euh, j'ai fait plusieurs stages et j'ai fini euh, à Montréal dans un magazine, Première en Affaires. Et là, j'ai découvert le milieu d'affaires québécois. Et euh, donc, je me suis spécialisée dans le média d'affaires. C'était en quelle année, environ hein? <laughs> En 2011. Ah, qu'est-ce que c'est possible Oui, c'est presque loin. 10 ans mais et... presque dix ans, oui. Et pourquoi tu as décidé de rester à Montréal et pas de retourner à, à ton pays natal Oui, euh, ben bah écoute, euh, les années passent, c'est sûr qu'au niveau euh, opportunités de développement de carrière, euh, j'avais des occasions ici. Je suis rapidement devenue rédactrice en chef dans ma vingtaine, une occasion que je pense que peut-être pas eue euh, de retour dans mon pays natal, comme tu dis. Donc, euh, puis au bout d'un moment, ça fait plusieurs années que tu es là, tu rencontres euh, ton conjoint, tu t'installes, tu achètes, euh, mmh. voilà. Oui, c'est as, as parlé de devenir de rédactrice en chef, c'est oui c'est une opportunité je crois qui, qui peuvent se présenter, mais aussi pas très pas très souvent non plus. Donc quand même un peu à ton honneur que tu as réussi à le faire à tellement un jeune âge. Euh, et euh, évidemment dans ton intérêt des médias. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu que tu crois est plus euh, l'habilité importante à avoir, c'est-tu la, la capacité de regarder le marché, synthétiser des informations, c'est-tu juste l'habilité de bien écrire qui est quand même euh, une, une compétence importante, encore mmh. aujourd'hui Ouais, parce que je pense que ça dépend euh, quel est ton rôle dans le média. À titre de journaliste, euh, c'est la qualité de, qui est la curiosité. C'est ça semble évident puis c'est une qualité qu'on a besoin dans beaucoup d'autres métiers mais quand tu es journaliste souvent tu es généraliste avant de te spécialiser, il faut que tu puisses t'intéresser à un sujet qui est nouveau, à une nouvelle personne, à un expert et puisque tu es euh, la personne qui euh, qui va avoir la chance d'interroger peut-être un expert à la place du lecteur, il faut toujours que tu te mettes un peu dans cette position privilégiée de pouvoir lui poser toutes les questions que le lecteur aimerait lui poser. Donc euh, je pense que la curiosité puis après évidemment une bonne capacité d Écriture et, euh, et de traduire en, en termes simples. Euh, je pense qu'en journalisme, c'est très important. Après, quand tu montes un peu plus comme gestionnaire, euh, c'est plutôt peut-être ta capacité euh, de synthétiser, d'analyse, puis après beaucoup de, de communication, puis euh, de mobilisation de ton équipe euh, mmh. qui est importante. Donc, ouais, le, comme tu disais, l'interface entre l'audience et la personne en entrevue. Oui. Euh, et l'emploi, le, le rôle d'une rédactrice, d'un rédacteur en chef. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer je, oui. je comprends peut-être à haut niveau, mais puisque tu es ici, j'aimerais... Oui, ben oui. <laughs> ben c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les médias, c'est une industrie que tout le monde a l'impression de connaître, mais évidemment, on ne connaît peut-être pas exactement tous les rouages. Euh, la rédactrice en chef, dans sa description la plus simple, c'est la personne qui supervise les, les journalistes et la rédaction. Euh, donc, ça peut aller euh, du pupitre au directeur artistique. Donc, euh, tous ces autres métiers qui composent euh, une rédaction. Et c'est la personne qui a un, un regard plus global sur le contenu qui est produit. Plus globalement, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être un peu le, le gardien de la marque et de la crédibilité. Pour moi, c'est très important qu'on euh, ait un média comme Les Affaires qui est très crédible, qui existe depuis 90 ans. Et que pendant que, que j'y suis euh, à titre de rédactrice en chef, on garde cette crédibilité, voire euh, on se prouve euh, encore plus que à nos lecteurs que le contenu est excellent. Donc euh, moi je me considère un peu comme ça, la gardienne, euh, la gardienne de la marque les affaires. Oui, oui vraiment c'est tu sais, le, le corps de, de l'entreprise. Du côté euh, génération de modèles d'affaires, c'est pas quelque chose que j'imagine tu donnes ça à un collègue pour tout ce qui est vente publicitaire, euh, génération d'abonnements, ça tombe pas sous sous ta, je non, premier. effectivement, euh, moi, je m'occupe vraiment du contenu. Donc, euh, j'ai un rôle très éditorial. Mais évidemment, je collabore beaucoup avec les autres départements. Donc, il y a quand même un côté beaucoup plus euh, stratégique que tu as. Euh, les journalistes, on leur demande de surtout pas s'intéresser à ces aspects-là, mais vraiment de se concentrer sur faire du bon contenu et leur relation au lecteur. Dans mon rôle, c'est sûr que j'ai un rôle plus stratégique et euh, de penser aux abonnés, de penser euh, aux annonceurs. Donc, je collabore beaucoup avec la directrice des ventes et la directrice du marketing, puis évidemment avec euh, l'éditeur. Ouais. Donc, tu dois protéger un peu ton, ton équipe de, de, de ce côté-là. Euh, tu, qui, évidemment, peuvent, si on parle de séparation de l'Église et l'État, mmh. euh, j'imagine, tu reçois de temps en temps des demandes de la part d'annonceurs, tu, tu dois être peut-être la gardienne, comme tu as dit. Euh. Exactement. En fait, on en, on en reçoit régulièrement. Puis c'est normal, les, les annonceurs, ils s'essayent. Mais justement, je pense qu'il y a un travail d'explication, de leur dire que pour faire un gain à court terme, où ils pensent que ça va leur donner de la visibilité, nous, on va abîmer notre marque et donc notre crédibilité. Et donc, finalement, on est tous perdants à long terme parce que le jour où on perd notre crédibilité on perd nos lecteurs puis on perdra tout aussi vite le reste de nos annonceurs donc ça je suis très consciente de ça de pas vouloir pousser cette limite grise parfois pour rester bien dans le blanc propre <laughs> mais pour être sûr que la crédibilité elle est, elle est intacte ouais. et récemment tu as aussi pris euh, les commandes de, de, euh, du côté rédaction donc ça fait je crois c'est sous 7 mois et ça c'était euh, juillet dernier ouais. donc euh... Est-ce que c'était une décision facile d'accepter euh, le, le poste ou d'accepter ouais. oui sur le moment? <laughs> ben, C'est sûr que pour moi, euh, les affaires en tant que telles, c'était un rêve. Donc, déjà, euh, quand on est venu m'approcher il y a moins de trois ans pour rentrer à les affaires, euh, pour prendre la mm. direction du journal, euh, donc je m'occupais pas, comme je le fais aujourd'hui, des, des autres produits, mais vraiment juste du journal, j'étais déjà euh, ravie. Euh, mais quand, euh, quand j'ai pu prendre. Euh, tout, euh, tous les produits ce mois, comme rédactrice en chef, c'était pas une décision euh, difficile. C'est sûr que j'étais très heureuse. J'étais déjà dans la rédaction depuis longtemps. Je suis très proche euh, de mon équipe, donc euh, j'étais très heureuse de pouvoir euh, mener à bien euh, tous les changements qui nous attendaient euh, avec eux. Ouais. Est-ce que tu as décidé de mettre en branle des grands projets, des grands changements, ou est-ce que tu voulais t'asseoir prendre, prendre un pas de recul avant de instaurer ta propre? ta propre vision au sein, mmh. au sein du groupe C'est sûr que j'avais déjà eu la chance d'instaurer ma vision dans le journal. Puis euh, je te dirais qu'avant même avoir eu le temps de réfléchir aux changements que je pourrais implanter avec ma vision, les changements se sont un peu imposés à moi puisque euh, assez rapidement, j'ai appris que euh, Transcontinental, qui euh, possédait le journal depuis 40 ans, vendait ses actifs. Euh, donc en septembre, euh, il y a eu comme une, une vente de du Média qui a évidemment provoqué un bouleversement. Donc, on a dû piloter ce changement-là à l'interne qui a été assez brutal, puis pour lequel on est encore en train de, de se remettre en place. C'est une grosse acquisition. Donc, Pierre Marcoux, euh, qui est notre président à l'époque, puis maintenant qui est notre propriétaire, euh, a racheté à Transcontinental euh, le média Les Affaires, avec le journal, les événements, mais aussi d'autres médias plus spécialisés. Donc, je te dirais que piloter ce changement-là, euh, ça a déjà été... Euh, assez important on a dû remercier des collègues qui est un moment très difficile euh, puis par la suite un des mandats qui m'a été donné c'était de transformer le journal en mensuel donc on était un bimensuel à l'époque euh, donc on savait qu'en janvier on allait passer mensuel. Donc on a dû à l'automne stabiliser l'équipe, euh, la remobiliser aussi, parce que c'était un bouleversement euh, professionnel et personnel important pour la plupart des gens qui l'ont vécu. Puis après se, se remobiliser, se concentrer sur le nouvel objectif qui était de nous transformer euh, comme journal en, en mensuel, sachant qu'en trois ans, le journal serait passé d'un hebdomadaire à un mensuel. Donc plutôt que de passer... Euh, Faire le statu quo, on a décidé de prendre un pas de recul puis euh, entamer une transformation. Oui, je peux pas imaginer le, le niveau de, comme tu as dit, de turbulence ou de changement. Euh, L'entreprise qui, ça faisait quatre décennies, était détenue par une grande entreprise publique, là, passe au privé dans, dans le domaine mm -hmm. d'un individu. Il n'y a pas ce espèce de uh, fil de sécurité, de, uh, de disons, un, 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 un mois ou un quart qui va pas bien, mais on, on a quand même des actifs beaucoup plus significatifs. Mais là, c'est il faut il faut euh, il faut nager par notre propre force euh... on pourrait le voir comme ça nous on, on était déjà une filiale au sein de Transcontinental qui était euh, assez autonome qui avait sa propre culture euh, donc finalement de gagner complètement notre autonomie bien sûr on sortait du giron très stable avec beaucoup de financement mais ça donne aussi une agilité d'être une PME puis on devient un peu euh, le seul capitaine à bord donc euh, nous on, on l'a aussi vécu comme quelque chose de positif passer le moment de turbulence qui effectivement était euh, assez important. Oui, c'est une belle façon de le voir. Tu sais, euh, oui, c'est comme pourquoi on dit des fois les petits peuvent battre les grands, c'est parce que à mmh. cause de cette agilité, cette, cette façon de, de naviguer des eaux, euh, euh, c'est quoi a été ton plus grand défi euh, pour ton équipe durant ces sept premiers mois en date ouais. ben, Nous, il a fallu qu'on se réorganise parce que forcément quand tu as, as une équipe un peu plus grande qui fait plus de choses, euh, il faut que les choses qui devaient être faites et il n'y a plus personne pour les faire, faut qu'on réorganise les tâches. Donc les journaux, ils ont dû sortir quand même. Il y avait des articles qui devaient être écrits et personne n'était plus là pour les écrire. Donc la réorganisation du travail, puis aussi par la suite faire des choix de choses qu'on ferait moins ou qu'on ferait plus. Alors, on reçoit beaucoup de sollicitations de, de relationnistes, par exemple. C'est difficile de leur expliquer que maintenant, bah, on couvrira moins d'événements, on couvrira moins d'articles parce qu'on est moins nombreux, puis on doit faire constamment des choix assez difficiles de choix de sujet donc euh, on est obligé de faire ces choix mais en même temps c'est positif parce que au lieu de faire plus on fait mieux et euh, je pense que dans une mer d'informations où on est un peu noyé devant trop de contenu peut-être que nous ça nous force aussi à prendre et à peser l'importance de chaque article qu'on va publier ouais. Oui, j'imagine ça doit être quand même un équilibre assez délicat la, la philosophie de de la qualité parce qu'un autre côté j'imagine vous étirez par des choses que vous savez vous avez du, des données qui vont dire ça va propulser des pages, vues, des clics etc. versus des choses qui sont plus importantes mais des sujets probablement qui vont moins attirer de trafic etc. Donc comment est-ce que vous vous, vous euh, vous pensez à cette, à cette euh, matrice de décision pour dire qu'est-ce qu'il qu qu faut enfin, prendre le temps à avoir une histoire en profondeur versus tu sais, le, le, le clickbait si, si on veut. Ouais. Mais c'est sûr que euh, nous on est dans une, dans une niche qui fait que le clickbait est quand même moins probant. On parle d'affaires, donc euh, on, pourrait, on peut toujours euh, twister les, les titres, mais euh, on n'a pas cette relation-là au lecteur de l'accrocher avec. Euh, ouais, J'allais dire, de tu la connais paillette. pas Business Insider <laughs> C'est pas mal du clickbait. <laughs> c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait le faire, c'est juste peut-être pas notre ligne éditoriale. Euh, mais on, on distingue aussi nos deux plateformes. Le journal, se veut vraiment un temps de pause, un temps de réflexion. Donc le fait qu'on soit devenu un mensuel nous permet aussi d'être beaucoup plus froid. Donc nous, dans ce jargon-là, on distingue beaucoup le, le chaud et le froid. Euh, donc le chaud, c'est l'actualité chaude. Euh, le breaking news, si tu veux, il s'est passé telle chose avec Bombardier, il se passe telle chose avec SNC. Euh, ça, ça va se retrouver sur notre site web. Donc suivre cette actualité en continu, ça on le fait et on va y aller selon notre connaissance de notre lectorat. Euh c'est pas du clickbait mais euh, on a un fil de presse, l'agence France presse, la presse canadienne, on a des spécialistes en interne qui qui suivent ça, notre chef de l'information lesaffaires.com, ils vont scanner ça toute la journée pour voir les informations les plus importantes et les plus pertinentes. Évidemment, il y a souvent quand même une corrélation entre les informations les plus importantes et celles qui vont intéresser le lectorat. Donc, la corrélation et l'équilibre se fait là. Pour le journal, quand tu parlais de profondeur, ben, au journal, on va prendre le temps de faire des articles plus approfondis, des analyses. Donc, on pourrait peut-être sortir une nouvelle à chaud euh, sur le web et quelques semaines après faire un retour sur cet événement-là mais plus approfondi avec euh, plus d'experts etc donc mmh. le côté plus analytique c'est l'équilibre que nous on a trouvé puis à date ça fonctionne bien ouais c'est intéressant c'est intéressant est-ce que la décision de changer de modèle a été facile comment vous l'avez réfléchi pour dire on passe d'un hebdo à un mensuel ouais, ce, cette décision-là a été faite par le propriétaire donc si tu veux elle nous a été un peu euh, Imposé, mais en même temps, c'est un vrai euh, choix des lecteurs aussi. Euh, quand on a quand on a eu ce mandat là de transformer le journal en, en mensuel, j'ai voulu euh, appliquer les conseils qu'on donne nous constamment à, à nos lecteurs, qui est de mettre le client au centre. Euh, donc, à cet effet, on a fait une grande consultation auprès de, de notre lectorat en leur demandant si euh, ils acceptaient de faire partie d'un comité virtuel de lecteurs, et on a plus de 600 personnes qui ont répondu à l'appel. Euh, ces 600 personnes, on a pu les sonder tout au long de notre transformation cet automne pour leur demander ce qu'ils aimaient du journal, ce qu'ils aimaient moins, quel changement ils aimeraient voir. Puis quand nous, on avait des réponses à ça, on a pu tester ces réponses-là. Euh, parfois, c'était des éléments graphiques en disant est-ce que vous préférez euh, des photos en noir et blanc ou euh, des photos en couleur, etc. Donc, on, on a pu faire ces tests-là et euh, on sait que le, ce que le lecteur euh, préfère. Ouais, c'est euh, une belle façon de voir euh, avec le numérique et tout. Il ne faut pas oublier que c'est le client qui est au centre, c'est pas les, les algorithmes. Donc euh, avoir mmh. cette vision-là, c'est quand même euh, assez, assez euh, puissant. Pour voilà. nous, le, le lecteur euh, du côté de la rédaction, euh, peut-être que les lecteurs sont en vacances, mais nous c'est une obsession constante. On pense toujours à eux et encore plus que jamais parce que les ressources sont limitées. On se dit toujours qu'est-ce qui va intéresser notre lecteur Comment on peut être pertinent pour notre lecteur Donc c'est vraiment notre mantra à la rédaction Les Affaires. Mmh. Et comme tu as mentionné avant Marine que euh, on vit dans le monde où est-ce qu'on on est noyé par l'information, donc c'est quoi les tactiques, les stratégies que, que vous essayez de mettre en place pour euh, pour disons être on peu en haut de la marée? Mmh. Mais... Comme je disais, vu qu'on est une niche et qu'on est aussi dans un milieu très spécialisé, euh, on est un média d'affaires francophone québécois. On n'a pas beaucoup de concurrents. Donc tu sais, pour nous distinguer de la marée, bah, on a quand même une niche qui nous permet de, de nous distinguer. Puis après, au niveau de la masse de contenu, comme je te dis, par la force des choses, on a quand même euh, moins de capacité à produire une centaine d'articles par jour. Donc on va se limiter à ce qu'on trouve essentiel et important. Et, 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 et par le biais d'être une niche, ça vous permet d'avoir un modèle d'affaires qui est aussi intéressant parce que vous n'êtes pas juste seulement dépendant de la publicité, vous avez des abonnés, je, mm -hmm. à, je sais pas si la proportion est publique ou non, c'est pas un jaser, mais vous êtes quand même ouais, bien ouais. équilibré de ce que je comprends. Oui, puis on a un, un modèle d'affaires qui est d'autant plus équilibré qu'on a aussi une division des événements. Donc euh, c'est un modèle que les, certains médias explorent avec succès. Euh, nous, on, ça fait dix ans qu'ils ont créé une division, les événements, puis ça marche bien. Donc il y a une forme de, de complémentarité. Nous, à la rédaction, on fait le site web, le journal et le trimestriel euh, à faire plus. Eux, ils font euh, des conférences, des formations, puis euh, des salons. Donc, euh, c'est toujours du contenu d'affaires niché, le même euh, type d'audience, euh, mais c'est pas le même genre de revenus. Eux vont plutôt chercher euh, des personnes qui rentrent aux événements ou des commandites, puis nous on va chercher euh, des abonnés, des publicités. Mais tout ça fait un mix de revenus qui nous permet aussi d'équilibrer. Euh, et tout ça se, se tient ensemble dans un bel écosystème ouais, donc on parlait peut-être un peu de l'industrie on discute de modèle d'affaires et de pérennité de l'entreprise et évidemment euh, beaucoup d'articles sont écrits sur la, la crise des médias etc. Mmh. etc. On, on le voit aussi avec nos nouvelles, les nouvelles les journaux qui ferment euh, comme capital média euh, c'est quoi ton point de vue sur euh, cette distinction entre abonnement publicité est-ce que vous euh, est vous focussez plus sur un versus l'autre aujourd'hui ou est-ce que c'est un équilibre comment, comment mmh. vous le voyez non on focus euh, sur les deux on pense que euh, c'est complémentaire euh, bien entendu les annonceurs ils sont intéressés à toucher des lecteurs donc euh, c'est tout aussi important d'avoir euh, des abonnés puis des lecteurs que des annonceurs. C'est sûr qu'au niveau du, des revenus, un annonceur rapporte plus d'argent qu'un abonné. C'est juste mathématique, le, le prix d'une publicité versus le prix d'un abonnement. Euh, souvent, l'abonnement sert à payer euh, l'envoi à Post-Canada, puis euh, l'impression. Euh, mais en même temps, pour nous, c'est aussi un gage d'engagement de nos lecteurs, puis on trouve ça important. Euh, donc, on, les deux sont, sont alliés. Le, le marketing travaille fort sur les abonnements, les ventes travaillent fort sur les annonceurs, puis euh, tout le monde travaille fort ensemble. Pour que ça fonctionne ensemble. Est-ce que tu vois un futur sans papier, éventuellement C'est n'est pas d'actualité. Nous justement, euh, là, on avait une occasion de se transformer. Puis au lieu d'en faire un mensuel, d'en faire un pur numérique. Mais en tant temps, qui peut prédire l'avenir Pour l'instant, nous, on est très attaché au papier. On croit vraiment à la complémentarité parce que le produit, c'est le papier, pardon, c'est un produit fini. Euh, ce que le web n'est pas, et, et ça a l'air euh, évident, mais ce côté infini donne aussi cette impression de, de noyade. Alors que quand on sort du web avec toutes ces notifications, ça pop sur Facebook, sur Outlook, là de, de fermer l'ordinateur, d'avoir un produit euh, physique dans les mains euh, qui a été pensé et conçu pour avoir un début et une fin avec une hiérarchisation de l'information, puis ben en fait c'est reposant. Puis il euh, y a une vraie euh, une vraie profondeur qui peut s'installer au niveau du cerveau même. Je pense qu'il y a des études neurologiques qui le prouvent. On lit différemment, on lit plus en profondeur. Puis, vu le contenu que nous, on propose, qui est évidemment euh, quand même pointu, qui s'adresse à, à des gens d'affaires très intelligents, mais qui sont aussi très pressés, on pense que cette complémentarité euh, du papier avec euh, le site web qui leur donne quelque chose, nous, on y croit beaucoup. Après, euh, dans dix ans, euh, peut-être que le papier n'existera plus nulle part, puis tant pis, mais euh, nous, pour l'instant... Euh, on fait ce pari-là. Oui, mais c'est pas un mauvais pari, je le comprends juste de point, point de vue personnel. Euh, les un versus être devant euh, son, euh, son écran, euh, je crois pas qu'on comprend encore très bien l'impact de, de ces notifications, ce, ce bombardement constant. Euh, mmh. euh, euh, et point de vue, l'industrie au large, est-ce que tu as des métiers que tu regardes dans d'autres pays, dans d'autres euh, secteurs, que tu regardes, tu te dis, ah, oh, ce qu'ils font, c'est intéressant, qu'ils qu sont un peu en train d'innover euh, pour, pour peut-être en prendre un peu de ces euh, de ces meilleures pratiques pour les amener ici. Je suis curieux de t'entendre. Ouais. Ben, c'est sûr que dans mon rôle, c'est important de surveiller quand même ce qui se fait ailleurs, euh, la stratégie. Euh... C'est important, ça fait partie de ma définition de tâche. Puis évidemment, on n'a pas toujours toutes les réponses, autant regarder ce que les autres font. Euh, donc des modèles comme le New York Times sont fascinants pour nous parce que euh, eux, ils ont réussi euh, leur pari d'abonnement numérique, euh, ce que beaucoup de médias cherchent encore à faire. Après, on a une particularité, c'est que ces médias-là souvent ont le même modèle de fonctionnement que les géants de technologie. C'est un peu euh, le gagnant remporte tout. <laughs> Donc c'est souvent des grands médias qui vont remporter des millions d'abonnements, mais parce qu'ils prennent des abonnements du monde entier, souvent ils sont anglophones aussi. Donc au niveau de la masse du marché, ils peuvent vraiment euh, être au-dessus de la mêlée. Nous, malheureusement, on est un petit marché. Euh, on est une niche qui a énormément de force, mais évidemment, ça aussi, c'est contrainte. Donc on ne pourra jamais avoir euh, ces revenus-là. Évidemment, on peut quand même regarder les innovations qui sont faites, puis voir comment on peut les adapter à notre échelle. Mais on garde toujours ça en tête que ce qui marche très bien ailleurs, il faut le ramener à. Est-ce que ça marcherait bien dans nos conditions? Oui. Moi, ouais, il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde utilise l'exemple du New York Times. Et oui, évidemment, c'est la, la marque la plus connue, en hein, mm -hmm. journaliste ou le Washington Post. Mais je crois qu'il y a quand même quelques exemples qui ressortent. T'sais, que ce soit un Washington Post ou un LA Times qui sont réussis, mais évidemment avec des, euh, des marchés beaucoup plus significatifs. Euh, ceci étant dit, ben ça reste quand même encore très difficile. Comment est-ce que tu vois euh, les meilleures façons pour protéger le journalisme, euh, étant donné que euh, je trouve que euh, euh, ma théorie, c'est que les... Euh, je sais, ça va, ça va peut-être sonner un peu bizarre, mais je trouve que les, les médias de masse, euh, les, les, sur les médias sociaux, ça va être pour les personnes qui sont pas capables de se payer un abonnement vers des médias où est-ce que tu as du vrai journalisme. Donc, je suis curieux, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a une certaine pérennité pour le, le, le vrai journalisme? Mm. Alors... Tu vois, moi, je, je nuancerais les personnes qui ne peuvent pas se payer euh, des, des médias de qualité, parce que la réalité, c'est que c'est toujours une question de où est-ce que tu mets ton argent. Euh, es là, beaucoup de personnes mettent de l'argent dans des abonnements Netflix, puis moi, la première. Mais tu peux couper trois euh, cafés euh, Starbucks par mois, puis avoir euh, l'argent pour un abonnement. Nous, notre abonnement annuel, il est d'une trentaine de dollars. Il y, y a rien d'inaccessible, c'est une, toujours une question de où est-ce que tu alloues tes tes sous, puis c'est aussi où est-ce que tu mets ton argent en fonction de tes valeurs. Et moi, je pense que si tu crois un journalisme de qualité, au bout d'un moment, il faut que tu prennes conscience que ça a un coût. Je pense qu'il y a une vraie euh, prise de conscience de la plupart des gens, mais ça n'a pas encore été suivi de beaucoup d'effets, je pense. Donc, euh, je pense qu'avec la crise qui s'est passée cet été euh, au groupe Capital Media, les gens ont commencé à réaliser qu'il pouvait y avoir un vrai impact à consommer toujours que du gratuit. Est-ce que dans les faits, à part ce petit mouvement spontané où les gens se, se sont réabonnés, les gens ont vraiment pris conscience que dans la bonne résolution de l'année, euh, en janvier 2020, je vais m'abonner à deux, trois médias québécois pour soutenir cette information-là. Je suis pas sûre. Après, il y a un deuxième euh, effet qui aurait euh, beaucoup d'impact, euh, c'est au niveau des entreprises. Euh, on le disait tantôt, hein, le coût d'une annonce versus le coût d'un abonnement, c'est autre chose. Puis un peu comme dans l'environnement, on culpabilise toujours un peu le consommateur. Mais il y a aussi des impacts euh, corporatifs. Je pense que il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la publicité encore. Donc c'est pas qu'on annonce plus, c'est qu'on annonce ailleurs. Si les entreprises québécoises, au moins, avaient cette prise de conscience que, au lieu de tout donner euh, à la Silicon Valley, ils pourraient garder un petit peu de leur budget pour réannoncer dans des médias québécois. Nous localement, ça aurait un impact énorme. Donc peut-être que les, les dirigeants québécois euh, s'engagent un peu plus à redistribuer une partie de leur, euh, leurs annonces auprès de leur euh, population locale, ça serait important. Ouais, je, je suis un peu plus cynique sur ce point. Euh, premièrement, je suis d'accord avec l'esprit du point, mm -hmm. que ça fait du sens, mais je suis plus... Je... C'est réaliste parce qu'on va se débattre le point, mais je crois que si je suis un euh, chef marketing d'une grande banque ou d'une grande association, ma responsabilité envers les actionnaires, c'est d'augmenter les profits, etc. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ben, les, les médias, malheureusement, connectés, les algorithmes sont meilleurs que euh, le média traditionnel. Bref, on peut le débattre. <laughs> non, mais en fait, c'est un très bon point parce que tu as raison. Euh, on ne peut pas concurrencer un Facebook. Ils, ils ont une ultra-performance qu'on aura beaucoup de mal à, à avoir, euh, nous, petits joueurs locaux. Néanmoins, il y a quand même. Et puis c'est pas de la philanthropie pure. il y a quand même une forme d'engagement puis de responsabilité sociale et ça peut être vu comme ça aussi. Un, c'est pas comme si on touchait aucun lecteur non plus. Ce c'est pas de l'argent qui part euh, nulle part. Donc euh, peut-être que c'est plus difficile à cibler très très précisément comme font les géants de la Silicon Valley. Mais des lecteurs, on en a quand même. Et euh, puis on, on peut euh, travailler ensemble pour euh, pour bien toucher euh, des lecteurs que nous on connaît bien. Puis par ailleurs, c'est ça, je pense qu'il y a une forme de, de responsabilité sociale des entreprises, puis ça peut être vu comme ça. En parlant de, euh, de valeurs pour des entreprises et le côté social, tu es aussi très impliqué dans plusieurs organismes communautaires, euh, dont le White des femmes à Montréal et d'autres. Donc je suis curieux, qu'est-ce qui t'a motivé pour, euh, pour redonner à la communauté Alors, tu, tu parlais de valeurs, je pense que c'est juste une question de valeurs personnelles. On a beaucoup de chance. On va, je... je suis très reconnaissante. Ça va bien dans ma vie. J'ai une bonne éducation, j'ai une bonne job, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde par ailleurs. Puis, je pense que c'est important de sortir du côté euh, boulot, puis après vie perso, puis de redonner un peu, de, de penser aux autres. Euh, après, euh, c'est très nourrissant. Ça nourrit beaucoup. Je pense que c'était important pour moi de m'impliquer. Redonner à, à la communauté, euh, c'est euh, toujours important. On est toujours euh, privilégié. Puis, euh, avoir cette prise de conscience-là que pour nous, ça va bien, mais que ce n'est pas toujours le cas ailleurs, ça nous donne euh, peut-être envie de redonner euh, aux autres. Euh, donc, le Y des femmes, en l'occurrence, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes euh, défavorisées euh, du Grand Montréal, euh, qui fait énormément d'actions euh, extrêmement positives. Et l'organisme Lire et Faire Lire, qui met en lien euh, les personnes âgées avec euh, des enfants. Et l'idée, c'est de favoriser euh, le goût de la lecture. On sait que ça a un énorme impact sur euh, le décrochage scolaire à long terme. Donc euh, voilà, c'est les, les deux causes dans lesquelles je m'implique l'alphabétisation, puis les femmes. C'est très très honorable, donc c'est super. Marine, je crois qu'on peut parler médias pour une autre heure, mais je veux respecter ton temps. Peut-être une dernière question, est-ce que les personnes peuvent apprendre plus sur ce que tu fais, le travail chez les affaires? Euh, bah, peut-être euh, sur mon LinkedIn, je poste régulièrement. Une bonne façon euh, de suivre ce que je fais, c'est peut-être d'être abonné au journal. Je pense qu'on en a assez parlé. Euh, c'est sûr que mes éditos, j'ai la chance depuis que je suis rédactrice en chef de signer le billet qui ouvre le journal, où je raconte un petit peu l'idée euh, derrière notre euh, reportage principal, euh, les, les dessous de la rédaction. Euh, c'est une bonne façon de vivre. C'est quelque chose que c'est ce lien avec les lecteurs, c'est quelque chose que je vis très, très intensément puis que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, sinon euh, toujours m'écrire sur LinkedIn, c'est toujours un plaisir de répondre à nos lecteurs. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Thank you for listening to the Point of No Return podcast. Don't miss an episode by subscribing on iTunes or Google Play.